Voilà, salut tout le monde, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la Cité du Crépuscule. Donc ça y est, j'ai enfin décidé de comment j'allais faire mes parties. Alors pour la durée, bah, ça va dépendre des événements. Mais pour l'upload en temps normal, ce que je vais faire plutôt, ça va être un monde complet. Donc là par exemple la Cité du Crépuscule, qui sera coupée en certain nombre de parties, ça va dépendre du temps que je vais mettre. Mais ce que je ferai, c'est que j'essaierai de tout uploader pour que vous puissiez avoir le monde au complet. Et que vous regardez du coup quand vous voulez. Hello, Roxas. Salut. Hi. And you are... I wanted to meet you at least once. Me? Yes, you. Olette dragged me along to go shopping. Hey, you want to come with us? Wait. Did you just see that? He's stalling. Very well then. We'll see you later, Roxas. Okay? Yeah. Non, tu ne deviens pas taré. Did you go to that haunted mansion? Je me souvenais pas qu'on y allait maintenant. Il me semblait que c'était un poil plus tard. Mais t'es une Keyblade de tape. Il est con, lui. Hey, chicken wuss. Who's that? I don't know, but they've already crossed the line. Find a weapon. Ah, voilà, je préfère. Enfin, même si on peut pas les taper avec. Bah, comme pour le premier tuer, de toute façon il va falloir qu'on attende que Keyblade apparaisse pour que on puisse vraiment se battre. Not good. Là, pourtant mine de rien, ça ferait une bonne équipe hein. Rijin, Fujin, Seifer et Bibi. En temps normal, tu fous ces 4 persos là dans FF, ça peut faire mal. Hein. Bibi, c'est un bon mage. Rijin et Seifer, ça fait 2 bons combattants. Fujin, elle a une petite base d'attaque, elle a quelques connaissances magiques. Ça peut être cool. Ah putain. Non, ne pas monter le son. Ne pas monter le son. Ne pas monter le son. Oh putain. Oh là là, elle est magnifique. Oui, je vais beaucoup baver sur les musiques. Je vous le dis de suite parce que moi, personnellement, je porte pas mal attention aux musiques dans les jeux. Et ayant fait Kingdom Hearts 2 un certain nombre de fois déjà, là, quand j'écoute les thèmes qui ont été refaits, mais... sont magnifiques. Là, pour le moment, franchement, c'est juste du bonheur à écouter. Voilà, donc là, je prends la force. La force est avec moi. Mais plus tard, parce que là, pour le moment, les stats, c'est un peu de la merde. Oh là là.
hop là. Voilà. Un, deux. Et voilà. Pirouette. Non, je la ferai pas, celle-là. Je la ferai pas, cette blague. Oh là, la destatie, elle est juste magnifique. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont dit aussi qu'on a déjà des compétences apparemment disponibles au début. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup ? Compétences... Roxas... Pardon. La blague. Bon, alors, 0 exp, je le ferai pas. Parce que, voilà, pas en maître. C'est juste pas possible. Je pense pas qu'en maître je me lancerai dans une partie en vidéo avec 0 exp, c'est-à-dire qu'on prend pas d'expérience, non, c'est pas possible. Par contre, le reste, ouais, carrément, je prends, là, ça fait trop plaisir. Booster réaction, ça c'est énorme. Finish plus, c'est déjà un coup critique de plus. Attraction, non, ok. Chance pour obtenir les objets, concentration plus. Bon, enfin, concentration plus avec Roxas, ça servait à rien parce qu'on a pas de magie en fait. Donc, bon. Alors, état... Non, c'était pas ça. Ah non, c'est après quand on a ouvert le coffre. Tac. Voilà, merci pour la potion. Alors, pour ceux qui ont suivi Cache, hein, cette zone doit vous être familière quand même, je pense, hein, parce que... D'ailleurs, ça me surprend qu'on soit dans cette zone parce qu'à la base, c'est le cœur de Sora. Là, on joue avec Roxas, donc c'est-à-dire qu'on a interdit le cœur de Roxas. Roxas est censé être un simili, il n'est pas censé avoir de cœur. Ça y est, je commence déjà à avoir mal au crâne. Oui, alors non, moi les potions, c'est pas avec croix, moi c'est avec rond. Et il faut pas que j'oublie. Comme je l'ai fait lors de ma partie en off, voilà, à mettre le renouvellement automatique. Bon, je vais pas sauvegarder parce que là de toute façon il y a un système de continu, donc du coup le sauvegarde en soi c'est pas super important. Bah, j'adore, d'ailleurs cette zone elle est juste magnifique. Le palier il est énorme, j'adore. C'est super classe. Ça c'est moins classe par contre. J'ai même pas regardé combien de points de vie j'ai d'ailleurs. 20 PV, d'accord. Ah si, hop, état. Donc 5 en attaque, 7 en magie, 3 en défense. Pas mal. D'accord. Et le prochain niveau, dans 16 points d'expérience. Ok. Oh, salut. Arrête de bouger. Voilà. Voilà, une autre potion. Ça fait toujours plaisir, ce jeu en avoir besoin. Ouh. Oh bien, un point de défense, ça fait carrément plaisir. Le coup de finish tout de suite, voilà. Putain, génial, deux potions d'affilée. C'est bon ça. Ça, du coup, j'en ai bien... Ouais, 3 plus une de côté. C'est très très bien ça. Je suis déjà soulagé.
Bon, c'est vrai que pour le début, les combats restent un tantinet mou, mais après, ça ira mieux quand on aura les combos. Quand on aura les ennemis qui vont avec aussi, ça va être beaucoup plus nerveux. Allez, hop, on avance. Là, c'est tout simplement ma partie préférée du jeu, là aussi. Hein. Quand on est à l'intérieur du cœur, c'est... Rien que pour la musique, c'est une de mes parties préférées. Donc là, pareil, cette scène doit vous rappeler quelque chose. Avec Sora dans KH1. Parce qu'il se passe exactement la même chose, sauf qu'on avait un sans-cœur géant, en fait. Et là, on a un simili géant. Sauf que par contre, le combat aura pas grand chose à voir. Ça là est génial aussi. Elle a bien été refaite. C'est pour ça que je dis que les combats vont être mieux avec les boss. Avec les actions qui ont été rajoutées et tout, ça rend le combat déjà beaucoup mieux. Ouais, il faut qu'on attende un peu. Voilà. Salut. L'atterrissage va être difficile. Allez, vas-y, pour une petite bourrine. J'aimerais bien pouvoir me soigner aussi. Allez. Déjà pour un premier boss, ça annonce la couleur quand même. Hein. T'as pas rendu plus de potions, merde. Thank you.
pas encore mort. Ah, putain, je suis pas ouf. Ah, bien, bonus de HP et parade. C'est bien ça. Ça me plaît. My name is Naminé. Ok. Roxas. Do you remember your true name? Say no more, Naminé. But if no one tells him, Roxas will... It's best he doesn't know the truth. Hey! You're that pickpocket! Casse-toi. Cypher, strike a pose, you know? How's this? That's totally perfect, you know? How about one more, you know? What's that for? Keepsake. Those freaks in the white jumpsuits are gone, you know? Cakewalk. What were those things? Outsiders, that's what. And if they don't wise up to the rules around here, I might have to take disciplinary measures. Oh yeah, Cypher's always looking after the town, you know? Hey, no chickening out of the tournament tomorrow. We'll be waiting, you know? Putain, le tournoi, ça va être la merde. So, you hung out with Cypher's gang today? No, it's not like that. Oh yeah. How was the beach? Wasn't that today? We didn't go. It wouldn't be the same without you, right? Sorry. Hey, how about we go tomorrow? We could get those pretzels and... I promised I'd be somewhere. Oh. Oh. You and I have to make the finals. That way, no matter who wins, the four of us split the prize. Okay, you're on. You two are gonna clean up. Go get him. It's a promise. I'm out of here. Ouais, le tournoi ça va être tendu. En maître, je sens que ça va pas être évident. Was that Naminé made of data? No. Naminé hijacked the data herself. Look what she's done now. She's totally beyond my control. Calm down. It doesn't matter.
As long as Namine accomplishes her goal, we needn't worry about what befalls Roxas. It's up to me. Only the Keyblade Master can open the secret door and change the world. Well, I'm not gonna betray Sora either. I'm glad it was Sora. My friends are my power. So your heart won this battle. It is I, Ansem. Lead me into everlasting darkness! Sora! Forget it! There's no way you're taking Kairi's heart! Kairi. C'était la scène où Sora justement se transformait en sans cœur. C'est à ce moment-là où Roxas a été créé aussi. No matter where we are, our hearts will bring us together again. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Promise? Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Right. Promise. What a mess. Allez, quatrième jour, le tournoi. Je sens que là, ça va être la partie la plus longue. Who are you gonna root for? Both of them, silly. Ladies and gentlemen, struggle fiends of Twilight Town, it's time for summer's most sizzling clash. And that's right, today is the day for the struggle and title match. Who will be the one to break through the ranks and take on our champion, Setzer? Cypher, you know? And who will lead today as our new struggle champion? Hater, Roxas! Cypher! Yes, the crowd is fired up, so you know what comes next! Let's struggle! Si je dis pas de conneries, il me semble que c'est le personnage de Final Fantasy 6. It's time to introduce today's combatants, the four bad boys who struggled their way through the preliminaries. Regular finalist and head of the Twilight Disciplinary Committee, Cypher. Completely out of nowhere, who knew he'd make it so far this year? Vivi. An underground favorite and local attitude problem, Hayner. It's his first trip to the finals. And struggler number four, who happens to be my absolute favorite customer, Roxas! So, who will win this sweltering summer struggle? Who will take home the grand prize? The summa cum laude of struggle, the Four Crystal Trophy!
and a chance to take on our defending champion, Setzer. J'hésite hein, face à Setzer, est-ce que je gagne, est-ce que je perds, est-ce que je prends la ceinture pour avoir une défense élémentaire, ou est-ce que je prends que la médaille pour un bonus d'attaque? Je me tâte, je sais pas. Hop, parade déjà, ça c'est clair. 5, 6, 4, ouais. Et niveau objet, j'ai quoi? J'ai plus qu'une potion, putain. J'ai des money? Ouais, j'en ai assez pour en prendre. Je vais vite aller chercher une potion. Si je les prends, c'est pas vraiment pour le tournoi. Hein. C'est parce que, vu que je connais un peu le jeu, je sais qu'il va y avoir un élément légèrement perturbateur. Et que du coup, il vaut mieux quand même. Il vaut quand même mieux prévoir les potions. Ouais, bon, les règles, je les connais. Accessoirement quand il y en a un qui est KO hein, parce qu'on a justement des possibilités de KO. Ouais, alors là j'annonce première partie où il risque d'y avoir du game over, du continuer. Là ça va être tendu. Allez, on y va. Yesterday. What? You still worried about that? You need to learn to let that stuff go. I've got a lot on my mind. Sorry, man. Wait, what am I sorry for? Our first match of today's struggle tournament will be between Roxas and his best friend, Hayner. Ouais, c'est bon, les règles, on les a eues. Ready, Roxas? Et voilà, allez, basta. Oh, on n'en parle plus. And the winner is Roxas. Not even friendship will slow this kid down, and Hayner put up a great fight too. I lost. Oh, I can't believe it. I guess I taught you well. I had a lot of fun fighting you. Yeah, well, I didn't, wise guy. Hey, let's find a way to cheer you up. Nah, that's all right. Out of the way.
You in a rush to lose? J'adore. Don't mess with your elders. Whoa! Just look at those sparks fly. I guess Cypher didn't expect to fight one of his own boys. When did Vivi get so tough? You're mine! I'm not sure what just happened. But the winner is Vivi! In a positively blistering comeback. That's not Vivi. Huh? Thrash him. D'accord. It looks like Cypher's withdrawn from the struggle for third place. So I'm in third now? En même temps, il y a que 4 participants. On va re-saver un coup parce que c'est maintenant que ça va chier. Keep it clean, fellas. And now, the match you've been waiting for. Roxas versus Vivi! Bon, il est KO. Tac. Bon, donc personnellement, c'est pas pour ce combat là que j'ai peur, c'est pour celui qui va venir. Et ouais.
Oh putain. Allez, tais-toi. Ça va faire mal. Roxas, all right. Fight, fight, fight. You really don't remember. It's me. You know, Axel. Mon préféré. Axel? Talk about blank with a capital B. Man, oh man. Even the Dusks aren't gonna crack this one. Wait a sec. Tell me what's going on. This town is his creation, right? Which means we don't have time for a Q&A. You're coming with me, conscious or not. Then you'll hear the story. Uh-oh. What's going on? Number 13, Roxas. The Keyblade's chosen one. Okay, fine. You asked for it. Ça risque de piquer un peu. That's more like it. Ça se passe bien là. Oh putain merde là, ça se passe moins bien là. Non, reste loin de moi. Ouais, ça se passe pas mal là, ça se passe bien. Putain, merde. Pas mort, putain. Yes. Putain, du premier coup. Non, off, j'ai dû recommencer au moins 5 ou 6 fois avec Axel. Mais ça, ça s'est plutôt bien passé. Putain, je suis content. So it was you. Roxas! This man speaks nonsense. Roxas! Don't let him deceive you! Roxas! 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 What? What just happened? Huh? How did I get here? Roxas!
Ladies and gentlemen, Roxas, our new top struggler! Ouais, youpi. Roxas? Ouais, je me tâte encore la médaille pour l'attaque ou la ceinture pour la défense élémentaire. Je sais pas. Enfin, en même temps, des dégâts élémentaires, on va pas en prendre tout de suite, avec de l'attaque, on en a besoin là, quoi. Ouais, allez, je vais faire exprès de perdre. Je pense que je vais faire exprès de perdre et on va... Je vais obtenir la médaille pour gagner un point d'attaque, ce sera peut-être mieux que la défense élémentaire. Ouais, je vais faire comme ça. Vous deux, play fair now. You're at the top of the bracket. There's only room for one appeal. Well, may the best man win. Hey, Rucksack. How about you throw the match for me? Roxas! Focus! Let me win, and I'll make it worth your while. Get real! Roxas, our underdog hero, versus Setzer, our defending champion. The winner of this match will be the true champion. That's bragging rights for a whole year, folks. Whatever you think is right, you're wrong. And that is a big mistake. My life is a chip in the pot. Time to ante up. Are you scared of me? Ouais, je sais pas. Are you scared of me? Ouais, non, je vais dire si ça fait pas. Casse-toi et puis c'est bon. Tant pis. Il passe plus pour un con qu'autre chose là. You did it! That was awesome, Roxas! Ouais, ça va, on a compris. Alors, résistance feu, glace et foudre de 20%. Allez. Ah!
As promised. Thanks a ton, Roxas. One more treasure for us to share. I've got a present too, for all of us. Whoa! Psst, bavure. We'll see him again. Sure. Of course we will. And the other boy? What other boy? The one who was with Riku and me all the time. We played together on that island. His voice always used to be there. And now it's gone. I can't think of his face or his name. I feel awful about it. So I told myself, I'm not going to the island until I remember everything about him. Are you sure you didn't make him up? Domine? Namine, what's happening to me? Who are you? And that's not my name. I'm Kairi. Kairi, I know you. You're that girl he likes. Who? Please, a name. I'm Roxas. Okay, Roxas. But can you tell me his name? You don't remember my name? Thanks a lot, Kairi. Okay, I guess I can give you a hint. Starts with an S. Sora. Are you okay? Qui est en d'y retourner. Yesterday, to the boy I can't remember. I said that no matter where he is, I'll find him. One day. And when I stopped writing, I remembered we made a promise. Something important. This letter is where it starts, I know it. Wow. I hope he gets it. He will.
starts with an S. Right? Sora? On est bon. Restoration at 79%. His progress is astounding. So, what happened? Namine's encounter with Roxas put his heart in contact with Kairi's. And that, in turn, affected Sora. You see? Namine. She's a wonder. She wasn't born like other nobodies. She can interfere with the hearts and memories of Sora and those aligned with him. But whose nobody is she? I could tell you. But first, perhaps you could tell me your true name. It's Ansem. It's an honor, Ansem. Question de point de vue. No way. It's too soon. You can't seriously get rid of him. It's an order. Why do you hesitate? You, who has been ruthless towards those who turned their backs on the organization. But it's not like that. He didn't betray us. He can't come back. If he doesn't return, you know what you must do. Or you will face the consequences. So you'll turn me into a dusk. All right, I'll do it, if that's what you want. Dreaming. But which parts were the dream? Left of summer vacation, so don't even mention that assignment. But we agreed we'd get it finished today. Yesterday, I fell off the station tower, didn't I? You wouldn't be here if you did. But man, that was a close one. Stop changing the subject. Okay, already. You win. We'll do the homework. Stupid independent study. So, anybody got any bright ideas for a topic? Maybe we could study the stuff that's happening to me. You know, the
dreams and the guys in white. Forget it. Why? You know, things have been weird with you in the town since the photos were stolen, right? Well, tomorrow, we're all gonna search the town and find out what's been going on. Lots of people are helping out. All that for me? I'll go get some ice cream. Non, je crois pas que c'était pour toi, mais... Bah... Blague. Super. Je suis content. Bon, ça, j'ai pas expliqué les techniques, mais bon, scan, voilà. Permet de voir les jauges de HP. Pirouette, c'est se rétablir en l'air et parade, évidemment, pour parer une attaque. Objet. Donc, évidemment, la ceinture. Tac. Hop. Et on va sauvegarder pour marquer la fin de la deuxième partie. Hop, et dans ce cas-là, bon bah du coup vu que je vais enchaîner pour le... Comme j'ai dit, maintenant que j'ai décidé, je vais faire des parties séparées, mais je vais essayer de tout uploader pour faire un monde à chaque fois. Donc je vous dis à de suite pour la suite de la Cité du Crépuscule.